Leur mandat aura été bien perturbé par cette double année de Covid, mais les conseillers départementaux jeunes de la Savoie continuent d'aller de l'avant, de peaufiner leur séance de conclusion prévue le 16 juin prochain, tout en profitant de ces moments partagés. L'année dernière, on ne l'a pas vu passer, du coup, on n'a pas pu vraiment profiter. Et là, d'être ensemble, ça fait du bien. C'est super cool, on s'amuse, on fait des nouvelles connaissances, on apprend plein de choses. Avec le CDJ, on rencontre aussi des nouveaux jeunes de tout le territoire de Savoie. Du coup, ça nous fait aussi élargir nos connaissances. Et puis c'est cool de nous faire découvrir aussi le fait de travailler dans le département et de vraiment d'être dans cette ambiance-là. Content en tout cas. Ouais, c'est super bien. C'est une fois par mois, on rencontre les CDJ et eux-mêmes rencontrent des partenaires, des acteurs locaux autour de la thématique pour pouvoir affiner leurs priorités et leurs envies. Des priorités résumées en trois axes de travail dans un appel à projet qui vient conclure ces deux années de réflexion. Les inégalités sociales, la surconsommation ainsi que la protection de la nature. Pour nous, la partie sociale, c'était vraiment les inégalités qui comptaient. Pour la partie environnement, c'était vraiment la nature qui souffrait, donc c'est elle qui avait besoin qu'elle se fasse protéger. Et la partie économique, c'était la surconsommation, parce que c'est hallucinant les chiffres qu'on voit sur la surconsommation dans le monde. L'appel à projet, c'est pour du coup montrer ce qu'on fait aux jeunes de nos collèges, et puis aussi pour les plus petits qui ont donc un an ou deux ans de moins que nous, que ça peut peut-être donner envie d'aller au CDJ les années précédentes. Et cet appel à projet a été diffusé à l'ensemble des collèges et des structures jeunesse du département. Ils ont jusqu'à début juillet pour y répondre, pour une mise en application de septembre 2021 à juin 2022. À la clé pour ces projets portés par des jeunes, des financements jusqu'à 50% apportés par le département de la Savoie.